Nous avons évoqué la semaine dernière le martyre. Eh bien, dans les semaines qui vont venir, nous allons évoquer un certain nombre de figures de martyrs qui sont aussi, vous le verrez, des pasteurs, des théologiens, des intellectuels, des grands témoins de la foi de l'Église et de sa construction dans les premiers siècles. Alors, aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler, j'allais dire de mon petit chouchou, c'est pas très respectueux, de ce grand saint, de ce grand fondateur de l'Église qui est saint Ignace d'Antioche. Rares sont ceux qui aujourd'hui connaissent bien saint Ignace d'Antioche. Pourtant, c'est un personnage absolument extraordinaire. D'ailleurs, une petite chose, un petit souvenir. Quand le pape François a été élu, ses premières paroles, si vous vous en souvenez, ont été de demander la bénédiction du peuple chrétien à celui qui devenait l'évêque de Rome qui présidait à la charité. Alors, pour ne pas être trop taquin, dans certains milieux, on est immédiatement grimpé sur ces grands chevaux pour expliquer l'évêque de Rome, mon Dieu, le pape qui s'abaisse. Sauf que c'était une citation explicite de saint Ignace d'Antioche, et c'était, on va y revenir, dans ses lettres, ses fameuses lettres, en particulier dans sa lettre aux Romains, le plus ancien témoignage qu'on avait de la primauté romaine. Comme quoi, un peu de culture, parfois, ça permet de s'éviter certains bavardages inutiles. Je reviens à ma question. Donc, saint Ignace d'Antioche. Selon l'historiographie antique, il aurait vécu aux alentours des années 110 environ, et il aurait été le successeur de saint Pierre sur le siège d'Antioche. Évêque de cette communauté, au moment des premières persécutions, celles donc de la fin du IIe siècle, il va être, comme beaucoup d'évêques, la volonté des autorités romaines étant de décapiter les communautés en se débarrassant de leurs responsables, il va être donc condamné à mort, et comme il n'était pas citoyen romain, il va être condamné aux bêtes et destiné au jeu du cirque à Rome. Il va parcourir le chemin moitié par bateau, moitié terrestre en direction de Rome, et alors vous allez me dire, comment on le sait? Eh bien, figurez-vous qu'au cours de ce parcours, enchaîné à quatre léopards, comme il les appelle, c'est-à-dire les quatre soldats romains dont l'uniforme était agrémenté d'une peau de léopard, saint Ignace, probablement accompagné d'une ou deux personnes de sa communauté, va écrire à différentes communautés chrétiennes sur sa route. Les chrétiens de la ville de Smyrne, les chrétiens de la ville de Trale, chrétiens de Rome aussi également. Et nous possédons, trésor insigne, sept lettres, dont une où il répond à des questions, où il remercie pour l'accueil qui lui a été donné au cours de son chemin d'exil, et où également il évoque la vie de l'Église. Alors c'est tout à fait passionnant, d'autant plus que les lettres de saint Ignace sont devenues d'une brûlante actualité au moment du protestantisme. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous invite, je vous supplie, d'aller trouver ces lettres et de les lire vous-même. Hein, c'est un véritable trésor. Parmi les différents thèmes que saint Ignace évoque, et parfois pas du tout dans un esprit de démonstration théologique, mais simplement en évoquant ses correspondants, en évoquant ceux qu'il a rencontrés, en exhortant les autres chrétiens à vivre leur foi dans la communauté chrétienne, eh bien, il évoque, on est là vers l'an 110, des communautés chrétiennes en particulier, où sont déjà présentes des évêques, des prêtres, des diacres, un certain nombre de ministères, c'est d'actualité. Voilà, donc une structure d'église qui est déjà présente. Évidemment, encore une fois, sans esprit de polémique ni de démonstration systématique, c'est très embêtant pour certaines communautés chrétiennes qui refusent la hiérarchie, en disant que c'est une invention très tardive, que ça n'a rien à voir avec l'enseignement du Christ. Voilà. Là, on est à peine à deux, trois générations après la mort et la résurrection de notre Seigneur, et on a déjà des communautés d'Église. Il me semble que dans les présentes chroniques, j'avais parlé de la didascalée, ce premier document catéchétique, dans lequel
ces choses-là n'étaient pas tout à fait en place encore. Hein. C'était en train d'être suscité, de s'approfondir. Il y avait d'autres ministères dans l'Église qui semblaient avoir une certaine place, etc. Voilà. Et donc, les lettres de... D'où, d'ailleurs, entre parenthèses, là aussi c'est intéressant, d'énormes discussions sur l'authenticité de ces lettres, évidemment. Hein. Pour donner qu'un petit exemple, les trois quarts de l'article Wikipédia concernant Saint-Ignace d'Antioche sont consacrés à discuter l'authenticité de ces lettres. Aujourd'hui, pratiquement personne. Mais alors, bon, on a plusieurs versions, une version courte, une version longue, une version moyenne, peu importe. Il y a aussi beaucoup d'apocryphes, on ne prête qu'aux riches, vous le savez. Je n'ai jamais parlé sur cette chaîne des apocryphes, mais ça mériterait une émission à elle seule. Bref, là, il y a là quelque chose de discussion un petit peu inutile. Globalement, si vous voulez, on a vraiment affaire d'un texte du début du IIe siècle, des lettres, de documents extraordinaires qui manifestent une Église déjà quasiment complètement en place, en particulier dans sa hiérarchie. Voilà, donc il y a déjà ça. Hein. Beaucoup d'exhortations, évidemment, à l'unité. On sent que les communautés vivantes, mais parfois aussi qui ont besoin d'être rappelées à l'unité, à l'obéissance. Il y a en particulier une lettre dans laquelle il y a une petite allusion très sympathique où il dit aux anciens de la communauté « Votre évêque est très jeune, sous-entendu, il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais au lieu de le critiquer, apportez-lui votre propre expérience d'ancien et soyez dans l'obéissance puisqu'il représente les apôtres. » À ce propos du thème de l'Église, je peux vous, si vous voulez bien, si vous avez un tout petit peu de patience, je vous fais une petite citation. Voilà ce que dit saint Ignace. « Je vous en conjure, accomplissez toutes vos actions dans cet esprit de concorde qui plaît à Dieu, sous la présidence de l'évêque, qui tient la place de Dieu, des presbytres qui représentent le Sénat des apôtres, des diacres, objet de ma particulière affection, chargés du service de Jésus-Christ, qui était auprès du Père avant les siècles et qui s'est révélé à la fin des temps. » Puis une autre communauté, les chrétiens de l'église de Trales, voilà ce qu'il dit à propos des diacres, et des prêtres. Vous devez tous révérer les diacres comme Jésus-Christ lui-même, l'évêque comme l'image du Père, et les presbytres comme le Sénat de Dieu et le collège des apôtres. Sans eux, il n'y a point d'église. Voilà pour un premier thème très important dans les lettres de saint Ignace. Le deuxième thème, évidemment, et qui m'est particulièrement cher, c'est la Vierge Marie et la virginité de Marie. Là aussi, est objet de débats, de grands débats, on y reviendra, j'espère un jour avec vous. Voilà ce qu'il dit tout simplement aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Le prince de ce monde n'eut connaissance ni de la virginité de Marie, ni de son enfantement, ni de la mort du Seigneur. Trois mystères éclatants que Dieu opéra dans le silence. Tout est en place de la théologie mariale. Au premier temps de l'Église, c'est très clair. On le sait aussi, les premiers credos de l'Église appellent Jésus né de la Vierge Marie. Encore une fois, pas de démonstration, pas de polémique, mais juste là, une réalité. Voilà. Alors pour terminer, on va aborder, si vous le voulez bien, le thème le plus émouvant dans ces lettres. Donc on le sait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, saint Ignace a été condamné à mort, et donc, alors on ne sait ni la date, ni les circonstances exactes de sa mort. Les textes que l'on a ne sont pas très précis là-dessus. Bon, il est très probablement mort dans l'amphithéâtre au moment des Jeux du Cirque. La consigne de l'administration romaine était d'y envoyer les personnages les plus éminents et les bêtes les plus extraordinaires. Voilà. Bref, mais ce qu'on sait, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que saint Ignace va parler de sa mort à la première personne. On a un témoignage à la première personne. Et c'est particulièrement émouvant. Alors d'abord, premier moment où il évoque la question, c'est parce que à un moment, sur son trajet, il reçoit une lettre de la communauté de Rome qui lui dit « Ne vous inquiétez pas, cher Monseigneur, enfin, on ne disait pas ça comme ça, hein, ne vous inquiétez pas, nous avons des amis dans l'administration, on va débrouiller l'affaire, et on, en gros, ça veut dire on va agresser la patte à l'administration et on vous fera échapper au martyr. » Réponse d'Ignace. « Contentez-vous de demander pour moi la force intérieure et extérieure pour que je sois chrétien non seulement de bouche, mais de cœur, non seulement de nom, mais de fait, car si je me montre chrétien de fait,
je mériterai aussi ce nom, et c'est quand j'aurai disparu de ce monde que ma foi apparaîtra avec le plus d'éclat. Rien de ce qui se voit n'est bon. Même notre Dieu, Jésus-Christ, ne s'est jamais mieux manifesté que depuis qu'il est retourné au sein du Père. Le christianisme, en but à la haine du monde, n'est plus objet de persuasion humaine, mais œuvre de puissance. Alors, les fines bouches critiqueront une théologie un peu platonisante, on s'en fiche. La question, c'est que l'évêque d'Antioche, la ville où pour la première fois, rappelez-vous, la communauté des disciples du Christ ont reçu le nom de chrétiens, il veut l'être au sens de l'onction du Christ, dont on sait que c'est celle qu'il a reçue sur la croix. Voilà ce qu'il ajoute encore. « Laissez-moi devenir la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. Caressez-les plutôt, afin qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien subsister de mon corps. Mes funérailles ne seront ainsi à charge de personne. » Voilà, témoignage d'un martyr des premiers siècles, d'un évêque tout entier donné au Seigneur et qui ne demande plus qu'une chose, c'est de le retenir vers lui. Et il ajoute encore, pardon pour ces longues citations, mais elles sont tellement extraordinaires, « Il m'est bien plus glorieux de mourir pour le Christ de Jésus, pour le Christ Jésus, que de régner jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui que je cherche, il est mort pour nous. C'est lui que je veux, qui est ressuscité pour nous. Voici le moment où je vais être enfanté. De grâce, frère, épargnez-moi. Ne m'empêchez pas de naître à la vie, ne cherchez pas ma mort. Laissez-moi arriver à la pure lumière, c'est alors que je serai vraiment homme. Permettez-moi d'imiter la passion de mon Dieu. » Est-ce que de telles paroles pouvaient être dites dans la bouche d'un païen ? Je vous laisse juger. En tout cas, voilà. Je veux mourir pour le Christ Jésus, et c'est là aussi que naît dans la conscience chrétienne et dans l'Église, le thème de l'imitation du Christ, dont nous aurons aussi longuement l'occasion de reparler plus tard. Je vais laisser un dernier mot à saint Ignace, c'est presque ses dernières paroles en quelque sorte. « Mes passions terrestres ont été crucifiées. Il n'existe plus en moi de feu pour la matière. Il n'y a plus qu'une eau vive qui murmure au-dedans de moi, vient vers le Père. » Merci de votre attention et à très bientôt.